Eh bien, salut à tous, nous retournons pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Résumé du match l'ACA Le Havre, aucun vainqueur lors de ce choc de Ligue 2. Tout le monde attendait ce match pour essayer de se départager chaque match une égalité. Et bah, cette fois-ci, encore une égalité. Ce match n'aura pas trouvé de vainqueur, hein, ce match qui était joué à Ajaccio. Un premier but de Pierre Gibault à la 40e minute suite à un corner tiré par Quentin Cornet, directement dans les points de Leroy, qui va directement être repris par Pierre Gibault juste après et va pouvoir marquer tout en douceur. Hein. Pas de grosse action après. Arrive la 60e minute, attaque d'Ajaccio, main d'Oumout Meras dans la surface de réparation. Pénalty sifflé pour Ajaccio. Hervé Basile qui s'énerve. Il se prend un carton jaune. Hein. Ça commence à s'énerver à ce moment-là. Penalty marqué par Courté. Et suite à ce penalty, hein, Hervé Basile qui perd ses moyens, peut-être suite à des reproches de Courté, et se prend un carton rouge et doit sortir du terrain. De toute façon, après ce penalty, que ce soit du côté d'Ajaccio ou Le Havre, c'était un peu énervé des deux côtés, surtout du côté du hack. Hein. Même entre les joueurs, ils avaient pu à bien s'entendre. Mais ils ont pu pouvoir beaucoup plus attaquer lors des 10 dernières minutes des deux côtés. Hein, les 10 dernières minutes ont été très cruciales, hein, mais aucun but n'a été marqué, même si la fin du match est jouée à 11 contre 10. Bon, vous savez, vous avez pu me voir lors du live juste qui me précède cette vidéo. Hein, je commente tous les matchs du hack. À chaque match, vous pouvez me retrouver en direct sur YouTube à l'heure du match et même normalement 5 minutes avant pour dire les compositions. Cette fois-ci, il n'y a pas eu, mais vous pouvez me retrouver toutes les semaines en live. Peut-être bientôt des Multiplex League 2. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne semaine. Salut!